Des matchs qui ne sont pas comme les autres. Et celui-ci en est un. On va vivre ce grand rendez-vous pour quelques secondes. Bonsoir, bienvenue dans l'enceinte du mythique Anfield. Encore une grande soirée de foot au programme. Ici la team Dada pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez en Argentine. On retrouve tout de suite le championnat anglais et la Première Ligue, Liverpool contre Arsenal. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football, c'est la passion qui s'est transmise entre le terrain et les supporters. Côté Liverpool, voici donc le 11 qui débute. Dans le but, c'est Alisson Becker. Mohamed Salah sera avec Luis Diaz sur les ailes. Et enfin, en attaque, Darwin Núñez. Voici la composition des Gunners. Dans le but, c'est Aaron Ramsdale. Declan Rice sera accompagné de Thomas Partey au milieu de terrain. Et devant, c'est donc Gabriel Jesus. Mo Salah gagne du terrain. Ah, dommage, c'est contré le centre. Ah, bon pressing, ballon récupéré. Le centre dans la surface, il y a du monde. Quel arrêt, quel réflexe! À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond des filets. Ballon dans la surface. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Et ça joue sur Robertson. Et c'est un corner là pour Liverpool. Mossala la frappe. Oh, c'est bien défendu. Gabriel. Pour Martin Odegaard. Et c'est bien défendu, sans faute. Ah, la passe est complètement loupée. Focus sur un talent, un grand technicien. Quand il a le ballon dans les pieds, Mo Salah, beaucoup de choses peuvent se passer. Tu lui donnes le ballon et c'est comme si tu le mettais dans un corps fort. Aucun geste de précipitation. Toujours cette capacité à dribbler, à utiliser le mensonge du corps pour mystifier l'adversaire. Gabriel Jesus. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. Et le ballon pour Thomas Partey. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Et la belle parade là. Voilà la bonne inspiration avec ce geste. Ah non, il est perdu ce ballon. Odegaard. Darwin. Le ballon pour Mohamed Salah. Attention pour mener au score peut-être. Et le gardien s'illustre bien. C'est bien parti pour ce corner. Quelle intervention absolument décisive. Ah, la frappe, ça part bien. Et encore une tentative contrée. Oui, il y a la place pour un bon centre. À une occasion en or. Aucune prise de risque, ce ballon est dégagé. Curtis Jones. McAllister. C'est contré. Jones. Il frappe. Il frappe contrée, bonne défense. Long ballon aérien, la défense se soulage. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Liverpool qui a la possession du ballon depuis 15 minutes
c'est l'occasion de prendre l'avantage en usant les jambes de leur adversaire et en les faisant courir derrière le ballon. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Et non, le ballon est perdu là. Il y a du soutien là pour attaquer. Odegaard. Un ballon sur l'aile pour aller porter le danger. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Declan Rice. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Bien défendu, le ballon est récupéré. Jones. Allez, il faut s'appliquer sur ce ballon. Et ça passe, ça rentre. Le premier but, largement mérité, parce qu'ils maîtrisent complètement leur sujet. La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Match très tendu depuis le début. Mais regardez, ce but a même réussi à décoincer un peu leur coach. C'est dire qu'il y avait de la tension des deux côtés. Ah, dommage, ballon perdu. Thiago Alcantara reçoit le ballon. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Alors, l'arbitre siffle la faute et attention, quand même au carton. Et ça joue sur Saka. Gabriel Jesus avec le ballon. Et la frappe, parade, oui, du gardien. Saka qui s'applique. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Et ça joue avec Salah. Et bien fait, attention à l'occasion. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Et ça joue sur Saka. Et voilà, c'est la mi-temps de ce match. Et c'est reparti, le match reprend. Les Gunners sont toujours menés d'un but. Gabriel Jesus avec le ballon. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et un peu d'espace sur le côté. Curtis Jones. Et le tir part bien. Excellente intervention. Le corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Martinelli. Les Gunners ont du champ là sur le côté. Ah non, finalement le ballon est perdu. Et on sent que tout va bien du côté de Darwin Núñez. L'attaquant est libéré. Son jeu est fluide. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Et finalement, le gardien s'empare du ballon. C'est récupéré par les Gunners. Et pourquoi pas une contre-attaque là ? Martin Odegaard. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Gabriel Jesus. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Le ballon pour Thomas Partey. Le danger bien repoussé par le gardien. La
La visite de l'égalisation n'est pas la bienvenue. Et c'est leur gardien qui le dit. Et le contre est possible maintenant. Le ballon pour Gabriel Jesus. En bonne position pour égaliser. Martinelli. Oh, le coup de canon des Gunners. Ce match n'est pas terminé. Égalisation. La simplicité alliée à l'efficacité, ça donne une aisance, une fluidité dans l'action. Tout est affaire de placement juste. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. La perte de balle. Pour Martinelli. Ouais, bien fait, il est passé. Attention, ce tir. Ah, le gardien qui se couche bien là-dessus. C'est joué par Martinelli. Long ballon aérien, la défense se soulage. Oh, Gabriel Jesus, la frappe. Et en opposition, Van Dijk. Oui, la bonne technique là. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. La contre-attaque était presque parfaite. En revanche, la finition. Trop de précipitation, d'énergie dans ce dernier geste. Parce que l'action était magnifique. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Mohamed Salah qui avance. Martinelli. Arsenal qui va amorcer une attaque. Oh, ça peut aller au but. Et oui, but! Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et le bouquet final a consommé sans modération. Ça donne une sensation d'esthétique et de puissance. Konaté là qui perd le ballon. Pour Martinelli. Et il prend sa chance. C'est contré par Konaté. Et ça joue sur Saka. Mais non, ce ballon est perdu. Des solutions en attaque là. Thomas Partey. Ballon pour Martinelli. Une possibilité là pour centrer. Le ballon pour Declan Rice. Ballon pour Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, quel arrêt! Oui, plus beaucoup de temps, mais encore le droit d'espérer une victoire. Alors, un changement côté Liverpool. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Gabriel Jesus avec le ballon. Elle a frappé contrée. Et un corner qui pourrait bien leur offrir une avance plus confortable. Sur le gardien qui s'en empare. Cinq minutes à jouer encore dans ce match. Oh, et c'est bien servi. Ouais, très bonne intervention là. Arsenal qui a la possession du ballon depuis un quart d'heure environ. Et visiblement, ils essaient d'appuyer sur le bouton pour encore creuser l'écart. Eh oui, mais regardez, il faut quand même faire des efforts à la récupération. On lève la tête, là, peut-être un centre. Ballon pour égaliser. Et ballon renvoyé, l'action continue. Oh, le but dans les dernières secondes. Ce but de l'égalisation. Mais quelle fin de match!
sur ce but, on voit bien comment, dans un premier temps, le ballon est renvoyé après un magnifique arrêt. Et c'est à ce moment-là que le ballon retombe sur un adversaire. Et à cette distance, ça ne pardonne pas. Et leur coach qui est devenu un ancha, comme les autres. C'est vrai, quelle délivrance cette égalisation. Thomas Partey. Gabriel. Ballon pour Thomas Partey. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 3 minutes supplémentaires. Et l'interception, le ballon perdu par Liverpool. Il y a du soutien là pour attaquer. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Très peu de temps encore à jouer et le but du chaos se prépare peut-être sur cette action. Attention, ça peut payer là-dessus. Oh, c'est dedans ! Le but décisif, peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable ! Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts ! Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Et tout termine l'action dans une grande facilité technique. Une passe filée. Magnifique. Le coup de sifflet final est donc cette rencontre qui se conclut par une victoire de Liverpool. Les victoires très courtes comme ça sont encore plus méritées.